tous les amis, c'est Valmore333 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Sims 2 parce que ça fait trop longtemps et parce que je suis dans l'incapacité de mettre du Rayman cette semaine. Donc, c'est parti pour les Sims 2. Le plaisir et la gratuité. Et le boulgour, très important, ne pas oublier le boulgour. Alors, aujourd'hui c'est la promotion, obligatoirement c'est la promotion. Ce n'est pas facultatif. La chose dite est bien dite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait là? Sims 3. Eh ben écoute, t'as fini de jouer au Sims 3. Et voir la distraction. C'est pas encore ça, hein. D'accord. Ah, j'ai cru qu'il jouait sans rien faire en fait. Ah, ça remarque, ça résume bien les Sims 3, hein. Ah, parce que les amis, les Sims 3 et les Sims 4, il faut quand même pas déconner, c'est des machines à pognon, nous sommes d'accord. De toute façon, depuis le principe des extensions des Sims 1 à l'origine, tout ça c'est qu'une histoire de pognon, hein, et c'est tout. Et c'est tout. On va aller payer les factures, parce que ça fait cher un petit peu. Tu vas peut-être t'habiller pour sortir, non? C'est mieux. C'est quand même mieux. Alors, aujourd'hui... La promotion, les amis, la promotion, elle nous tend les bras. Il est full ici. Full en amis, full ici. Cette promotion, elle est pour moi. Oui, je sais, tu m'aimes. C'est normal. Parfait. Alors, une petite douchette, histoire de se faire plaisir. Avec un petit brossage dedans. Qui va bien. Et on va aussi également... Bah, une fois que j'aurai ma promotion, ce sera beaucoup plus simple de s'occuper des 17 copines que nous... Voulons, nous les voulons, les amis, nous les voulons. On en a déjà une, deux, trois, on peut considérer quatre avec celle-là. 5, 6, 7. 7 déjà, c'est tout à fait sympathique. Et encore 10 et j'aurai atteint ce défi. Nous aurons d'autres défis à faire, les amis, à relever par la suite. Pour l'instant, occupons-nous de ce défi-là. Ah, il l'aime pas. Pourquoi il l'aime pas? Parce que j'ai pas nettoyé ton... Il est nettoyé pourtant. Ce toutou. Cette alapage qui fait n'importe que pouic. Alapage, il prend l'ascenseur. Est-ce qu'il est bon pour ça? Bon, dépêche-toi de te brosser les dents, toi. Du coup, ça. Voyons un peu la météo d'aujourd'hui. Histoire de voir si le temps n'est pas trop boulgourisé. Bon, eh ben c'est parfait. Aujourd'hui, il va faire tout beau, tout chaud. Faites attention avec mon toutou, vous, hein. D'ailleurs, en parlant de toutou... Ah, il faut qu'il aille faire pipi. Il va sûrement faire pipi soit dehors, sinon s'il est pas gentil, il le fera chez moi. Non, il va bouffer, donc il fera pipi chez moi, je pense. Oh la vache! Oh la tartine qu'elle lui a mis! Oh, ça c'est beau, ça, les amis. Alors...
Cela me fait penser que... Voilà, il faut que j'apprenne des ordres un petit peu. Voilà la pâche. Des chips avant d'aller au travail. Il faut également que je me remette... Que je... Oh bah j'ai de quoi les amis, j'ai de quoi. En plus je suis dans l'humeur d'or, arrête ça tout de suite. À se remettre un peu de jours de vie. Parce que ça va pas du tout ça. Il faut se dépêcher avant qu'il soit plus dans l'or. On va accélérer un peu. Ah oh là, il est repassé dans le... Mince. Mince, 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 mince. Ça aura pas servi à grand chose. Ça n'aura pas servi à grand chose puisqu'il a dû... Ça va, j'ai quand même gagné en jour. On va lui remettre de la bouffe dans la gamelle. C'est bien la lapache. Il fait des bonnes choses maintenant. Salut mamie. Merci de rentrer chez moi par effraction. Vas-y, va la bouffer à la lapache, va la bouffer. Oh les amis, matez-moi ça. La limousine de l'infini. Et ce costume pour aller au travail. Bonjour. Salut. Salut. Tout le monde m'aime bien, dis donc. Pourtant, il me semble pas avoir, oui, une réputation très... On tâchera d'avoir une bonne réputation. Bien. Bon, ben, on n'a plus qu'à accélérer. Puisque le chien, il fait rien. Il va embêter les gens, apparemment. Il a besoin d'aller faire un gros dodo. Voilà. C'est bien. Fini à quelle heure moi déjà? 19h, ok. Est-ce que ça a posé problème? Oh là là, mais comment j'en ai rien à foutre? Rien à foutre! Le toutou au fait au niveau de sa vie, 19 jours. Va falloir qu'on s'occupe un peu plus de gagner des points d'aspiration pour acheter des choses, pour ne plus vieillir. Parce que c'est une situation intolérable. Attention à la promotion! Et voilà les amis, la promotion, la promotion! Cette semaine a été tout à fait moyenne. Bon, ça va, eh oh. Alors, est-ce que j'ai encore une promotion? Oui, donc c'était pas la dernière, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est parti. Regardez-moi ce fric! Ce fric en cime, en testiflouze! C'est les testiflouze! C'est la foire aux testiflouze. Bon, il me faut un point en charisme, un point en logique et deux points en créativité. J'ai passé le plus difficile, c'est-à-dire le physique. Et là, je pense qu'à mon avis, ça doit être la dernière promotion quand même, parce qu'il faut pas déconner. Ça, tu recycles. Eh ben, il est de bonne humeur pour pouvoir... il est même de très bonne humeur pour pouvoir se concentrer sur... Bah, pour commencer, la logique. On va tourner de ce côté-là, pouic. Le toutou, il fait dodo, il est bien. On va pas le réveiller en jouant de la guitare tout de suite, bah, il se réveille tout seul. Comme ça, c'est parfait. Oh, dis donc, ouais. Puissant discoureur hein, dans ma jauge d'influence. Ça doit être pour ça que les gens ils m'aiment bien, je pense.
commence à quelle heure demain? 10h? Je travaille que 3 jours dans la semaine. Ah, c'était un objectif à accomplir apparemment. On va en profiter pendant que je suis en or. Allez, vas-y, fonce. Oh, cet enchaînement! Oh, c'était beau. Hop là. Du coup, il est un peu faible. Un peu faible au niveau de... Au niveau... De... Du sommeil. Qu'est-ce que c'est, ça? Que des apprendre... Que des trucs à apprendre à la page. Bah, écoute. Oh, il a faim, à la page. Il veut une petite friandise. Tiens, je suis gentil. Ah non, il veut être caressé. J'ai cru qu'il voulait une petite friandise. Ouais. Parce qu'il est comme moi, il a besoin de vie sociale aussi. Ce toutou de l'amour. Non, mais par contre, on est en automne. En automne, il fait plutôt froid, donc on va dormir en pyjama. Parce qu'il y a la jauge de température, les amis, et tout est important dans cette jauge de température. Il faut vérifier que notre personnage n'a pas trop froid. C'est important. Pour l'instant, il va plutôt bien. Il a l'air heureux, plus ou moins heureux. Il faut absolument qu'on finisse, qu'on ait cette dernière promotion pour pouvoir se concentrer sur nos amis. Parce que c'est comme ça. Je pense que je vais pas aller au travail aujourd'hui, ça va être considéré comme un jour de vacances. Et je vais pouvoir me concentrer sur les... Qu'est-ce que tu fais à la page? Attention, hein, je t'ai à l'œil. Bah, si tu vas foutre le merdier à partir du moment où c'est pas dans l'appart, tout va bien. Ah, il arrête pas de bouffer à la page. Bientôt, on aura une belle grande maison. Je suis en train de réfléchir en ce moment à construire une maison toute bien propre pour mon personnage et mon toutou. Ça sera fait en temps et en heure, et ça sera surtout fait en temps et en fond. Puisque pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent, je pense. Mais ça va venir tout seul, ça, l'argent. Il n'y a pas de problème. Bon, il a l'air d'être bon, là. Oh là! Oh là là, on m'avertit d'une baston, les amis. Deux toutous qui se fight. Oh là 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 là! Apparemment, il y a Yuki et il y a Balo. Oh, cette baston de chien! Ah, c'est Yuki qui a gagné. En plus, ils sont jumeaux tous les deux. Bon bah. Oh là, il est tout sale. On va le nettoyer. Et on va nettoyer sa. Son panier. Qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Oh, ces chiens. Ces chiens, ils sont fous. Ah, il veut s'amuser aussi, apparemment. Ah, il va être bien là, la page, il va être tout propre. Les bébules! Les bébules! Plein de bébules. Nuku. On va le féliciter. Pour avoir pris un bain sans heurts. Bon, il a mis une petite flaque par terre, mais c'est pas grave. C'est bien. C'est très très bien, tout ça. Allez, on va passer un petit coup de serpille. Qu'est-ce que c'est, ça?
Devenir un loup-garou. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Voir un loup, bah, c'est pas prévu non plus, je pense. Alors, du charisme. Il me faudrait l'humeur de platine. Et pour avoir l'humeur de platine, il faudrait que je gagne un point de compétence. Le plus facile serait... serait de... On va jouer du rock. Parce que c'est ça qui est bon. On va jouer du rock. Oh, cette musique! Commence à bien savoir jouer de la guitare, lui. Je vais peut-être pouvoir fonder un groupe après. Non, je vais pas au travail aujourd'hui. Je me concentre sur les compétences. Que se passe-t-il? Ah, facture. Ah, elle aime bien. Ah, si ma proprio aime bien, tout va bien. Ah, ce diplôme, je l'avais complètement oublié. Ce diplôme de l'université, les amis. Pourquoi il dort dehors, mon pauvre Alapache? Il y a dû y avoir encore trop de bruit, il faut que j'aille les massacrer, eux, les Chopins, là. L'appartement m'a l'air impeccable, je n'ai rien à y faire, on se voit demain. Bah écoute, c'est parfait. J'ai toujours pas l'humeur de platine. C'est dommage. Faut absolument qu'il aille faire pipi. À la page, il dort toujours. Lui, ça sert à rien, il va y retourner dans peu de temps. Ah, putain, j'en étais sûr, il a été pété. C'est l'autre grosse conne qui s'est ramenée, là, elle l'a pété. J'ai chié. Il a faim en plus. Ah, ok, d'accord, il a faim donc il veut rien faire. Espèce de fumiste, un hamburger, tiens. Si tu le foires et que tu fais cramer la maison, il y a un moyen de gérer ça. Hop. Et voilà. Bah, cuisine. Fais-toi ton hamburger, qu'est-ce qui se passe encore? D'ailleurs, avec qui je risque d'avoir des soucis? Anna Patel, je sais pas pourquoi, on est des meilleurs amis pour la vie, mais nous ne sommes pas des amis tout court. En plus, c'est des jours de congés payés, c'est nickel. Comme ça, j'ai quand même mon petit salaire. Miam miam le bon burger. Hop, tu me nettoies ça. Tu me répares ça. Le toutou, comment il va? Les relations avec moi, on est des bons amis. Très bons amis. Un peu moins pour moi. C'est quoi ça? Maître. Ami proche. Et ami de tout court. Ami des animaux. Tout simplement. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Ah, il met sa tête dans les poubelles, lui. Carrément. Bon, ça c'est... Non, pas manger. Touche pas à ça, c'est de la merde.
Le toutou, il est dehors, il fait son devoir. S'il pouvait faire chier les gens qui sont à côté de chez nous, là, les Chopins. D'ailleurs, je ne sais pas qui est Chopin dans le lot. Toi, je te connais, t'es Michel de Zelleux. Pourquoi j'ai encore fait faire le lit, moi? Ça sert à rien. Mais non, mais le fais pas, mais le fais pas. Tu vas y retourner tout de suite. Ce réflexe, c'est fou. C'est toi, Chopin? Oh là là, Laetitia. Laetitia jaune. Oh là 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 là, je peux pas laisser passer un truc pareil. C'est impossible. Sors tout de suite de ta douche. Tu peux pas laisser passer un truc pareil. Elle ne s'en ira pas d'ici avant que je l'ai au moins saluée. On va la spammer de salutations. Comme ça, elle pourra pas s'en aller. Oh là là, à côté, c'est pareil à côté, dis donc, hein. Non, elle s'en va, non, reste là. Toi aussi. Va voir, toi. Oh là là, les amis, c'est la foire aux donzelles tout à fait sympathiques. Parfait, tout ça. Brigitte Dumont. Et l'autre, elle s'appelle... Diane Martel. Oui, il faut que t'ailles te coucher, c'est vrai. Allez, c'est parti. Roupillation. Et les amis, c'est avec cette roupillation que je vais vous laisser pour cet épisode. On essaiera de farmer pour la prochaine vidéo un petit peu plus les points de... En plus, ça tombe bien, j'ai rencontré deux personnes. C'est les deux amis qui me manquent, normalement, si je ne me trompe pas. Oui, il me manque deux amis. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à aller sur les chaînes de mes amis. Et surtout, n'oubliez pas, salutations de l'infini.